sont là quelques images pour résumer l'année 2012 dans votre commune. Nous allons maintenant entrer dans le détail de ces moments forts avec celui qui est votre maire depuis bientôt 12 ans. Il est également vice-président d'Aglopole Provence. Voici Pascal Monteco. Messieurs, chers amis, je suis toujours très sensible au fait que vous soyez aussi nombreux lors de cette traditionnelle cérémonie des vœux. Et là, je crois que ce soir, c'est plus que d'habitude. Donc, merci d'être présents. Ce qui témoigne de votre intérêt pour Pélissanne, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, de votre niveau d'implication dans la vie locale. Pour exprimer et défendre cette façon de bien vivre à Pélissanne, qu'elle soit sportive, culturelle, ou qualifiées d'amicales, nombreuses sont les associations qui ont organisé, soutenu et participé à beaucoup d'événements en 2012. Regardez. Quelques heures de fête autour du sport. Quelques heures pour rendre hommage à une personne hors du commun. Quelques heures qui resteront gravées dans l'histoire de Pélissanne. Après 4 ans de travail, l'inauguration de la salle des sports Geneviève Lermé-Jakowski restera comme l'un des moments marquants de l'année 2012. Geneviève avait démarré avec nous les premières réunions de concertation, de travail. C'est quelqu'un qui s'est vraiment dévoué pour les Pélissanais, quelqu'un de très simple et qui voulait justement faire cette salle destinée à toutes les associations. Et bien, c'était normal de lui rendre cet hommage. Et je trouve que c'est très très bien et c'est même émouvant. Plus de 2,1 millions d'euros investis pour ce bâtiment classé BBC, basse consommation. Au niveau des économies d'énergie, on a souhaité avoir une isolation par l'extérieur pour avoir une inertie à l'intérieur des salles, une inertie thermique. Il y a des protections solaires avec des stores à lames inclinables, de façon à limiter les apports thermiques, notamment l'été, qu'il n'y ait pas de surchauffe du bâtiment. Ça évite justement la climatisation et d'autre part, donc le bâtiment a été équipé d'une pompe à chaleur et de capteurs solaires sous vide pour l'eau chaude sanitaire. Et donc on a un chauffage par le sol pour les vestiaires. 1200 habitants de la commune, inscrits dans les différents clubs, bénéficient de ces installations. Gym, boxe, arts martiaux, musculation, danse, le sport pélissanais est dorénavant doté d'un complexe sur mesure pour pratiquer ces différentes disciplines. On l'attendait avec impatience cette salle. Elle est spacieuse et ensuite elle est très ensoleillée. Et elle a un parquet, ce qui nous permet de danser dans des très bonnes conditions. Ça permet d'amortir tout ce qui est descente au sol, saut. Ça protège, on va dire, notre corps. C'est comme un coureur, s'il n'a pas des bonnes baskets, il morfle. Hein, voilà. Le nouveau dojo, ben, il apporte de la sérénité pour travailler, forcément. Une qualité de travail aussi. Pour tous les adhérents. Avant, on avait une petite salle de judo qui était fort sympathique, hein, parce que le cadre était agréable, mais avec 3 poteaux au milieu, donc c'est vrai qu'au niveau de l'espace, c'était un petit peu réduit. L'anniversaire de l'année 2012 est celui de Lou Pélican. Toute la famille du groupe folklorique réunie pour un week-end chargé d'émotions et de souvenirs. Plus que jamais, Lou Pélican perpétue les traditions en accompagnant les grands événements pélissanais. Cette association transmet une partie de la richesse de notre histoire, de notre identité provençale. La pratique d'une activité physique ne se résume pas aux athlètes. Il y a aussi tous les anonymes qui œuvrent en coulisses pour permettre aux jeunes et moins jeunes de s'adonner à leur passion. C'est pourquoi la ville de Pélissanne a remis ses trophées aux sportifs, mais aussi aux bénévoles qui les accompagnent, aux dirigeants qui les encadrent et les forment avec les différents staffs techniques. 70 Pélissanais ont ainsi été récompensés lors de la soirée des sports. Le montant total des subventions pour les associations en 2012 a été de 260 964 euros. À cela, bien sûr, il faut rajouter les dépenses d'entretien courant et de mise à disposition du matériel, des équipements et des bâtiments.
En 2012, en lien avec l'inspection académique, la municipalité a consulté les directeurs des quatre groupes scolaires ainsi que les parents d'élèves afin de mettre en place en 2013 le système novateur appelé Classe Mobile pour un meilleur accès à l'informatique et à Internet. La Classe Mobile, c'est un dispositif nouveau, un dispositif innovant. C'est l'enseignant qui va apporter le chariot classe mobile. On n'a pas à déplacer l'effectif de la classe et la mise en place est beaucoup plus rapide. La classe est un espace structurant pour tout le monde et ils sont dans leur milieu naturel de travail habituel et c'est plus rentable au niveau travail, au niveau production. Il faut aussi voir la classe mobile comme une refondation totale. Une restructuration totale du matériel informatique de l'école. Cette modernité est un gage important pour le B2I. L'accès à Internet a été modifié dans les classes. On repart sur du matériel qui est, on va dire, compétitif et qui n'est pas dépareillé par rapport à ce que les enfants trouvent dans la vie, la vraie vie. 2012, c'est aussi la poursuite d'un large plan de rénovation de la cour et du jardin du multi-accueil arc-en-ciel, avec notamment le marquage au sol d'un parcours de psychomotricité pour les enfants. Il y a eu également l'acquisition et l'installation de barrières afin de délimiter un espace à destination des plus petits. Enfin, un bac à sable a été acheté. Ça apporte déjà un bien-être aux enfants. Les parents sont très satisfaits aussi parce qu'ils voient qu'il y a des choses qui sont faites pour la sécurité des enfants. Tous les ans, on confine, on apporte quelque chose de différent qui va améliorer, qui va apporter un plus à la sécurité puis au bien-être des enfants et à leur développement. Et comme chaque année, un budget conséquent a été maintenu pour la rénovation des écoles de Pélissanne et l'amélioration de l'accueil des élèves. Alors depuis bientôt 12 ans, l'enfance et la jeunesse ont toujours été au centre de mes préoccupations. Pour pratiquer dans des meilleures conditions leur activité et afin de ne plus les remettre dans leur établissement scolaire le mercredi et pendant les vacances, un nouveau bâtiment va être construit en 2013, chemin Saint-Pierre, face au moulin à huile. Le nouveau centre de loisirs pour nos enfants portera le nom de Jean-Paul Houillet. Des nouvelles structures sur Pélissanne, des services publics appropriés pour une commune qui atteint officiellement le 1er janvier 2013, selon l'INSEE, 9771 habitants, très proche des 10 000 habitants. Rappelez-vous qu'en 2008, je m'étais engagé que nous ne dépassions pas en 2014 les 10 000 habitants. L'engagement sera tenu. Les services de proximité sur notre commune, j'y tiens. Comme d'ailleurs, restez à l'écoute de vous toutes et tous. C'est l'un des moments forts de l'année à Pélissanne, la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. Elle est l'occasion pour ces désormais Pélissanais de rencontrer les différents présidents d'associations, les responsables des services de la mairie ainsi que les élus. Le maire présente les atouts et les richesses de la commune, avec cette année un kit de bienvenue remis à chacun. C'était super d'avoir reçu un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on a gardé un bon souvenir et je trouve que c'est important justement d'aller à la rencontre de ce qui se passe sur la commune. On a été au courant de toutes les festivités, donc c'était un bon atout par rapport à ça. Par contre,
j'ai une question. Dites-moi. Mon mari fait du sport, oui. Et il voulait utiliser la piste. On est allé voir le maire, on s'est présenté, et du coup, très chaleureux, on lui a posé une ou deux questions par rapport à notre installation, il nous a répondu de suite, sans souci. Après, nous, on a fait nos papiers aussi pour, par rapport aux installations, donc on est venu rencontrer le service d'état civil, et ça s'est très bien passé, on a pu faire tout ce qu'il fallait, disponibilité, accueil chaleureux. Cette cérémonie est l'occasion pour le maire de rappeler qu'il reçoit à l'hôtel de ville sans rendez-vous tous les vendredis après-midi. Entamé en 2011, le plan pluriannuel de travaux de proximité s'est poursuivi en 2012. Plus de 200 000 euros chaque année servent à améliorer la qualité de vie des Pélissanais. Ce plan s'achèvera en 2014. Nouveau projet structurant et même méthode. Comme avant chaque grand travaux, les élus rencontrent la population pour présenter et expliquer leurs ambitions tout en écoutant les suggestions et réactions. Ce fut le cas en 2012 pour la construction du centre de loisirs sans hébergement, de la cuisine centrale et d'un nouveau réfectoire pour l'école du plan de Clavel. Ces réalisations sont attendues en 2013. Ces colis ont été préparés depuis quelques mois. Nous avons à peu près pour 500 couples et à peu près le reste pour les personnes seules, donc à peu près 1500 personnes qui ont au-dessus de 70 ans qui peuvent bénéficier de ce colis. Ces personnes sont très très ravies de venir chercher ce petit cadeau. C'est l'occasion de les rencontrer parce qu'on ne les voit pas tous les jours, toutes ces personnes. Donc c'est un moment important. La vidéoprotection est un recours important pour élucider certains actes et demeure un moyen de dissuasion incontournable. Un chiffre, juste un chiffre. Sur tous les espaces où il y a la vidéo aujourd'hui, en 2012, aucune voiture de volée. Alors qu'avant, on avait entre 8 et 12 voitures de volée par an. Et donc, ça veut dire que la vidéo apporte un plus dans la sécurisation de notre commune. Les projets que nous souhaitons mettre en œuvre nécessitent le soutien de partenaires efficaces, comme vous avez pu le voir, des partenaires que nous solliciterons encore, et je sais pouvoir compter sur eux, comme pour le développement économique, car notre territoire en dépend. Crise, morosité, perte de confiance en l'avenir, les médias ne parlent que de ça. Face à cette situation inquiétante, la municipalité réagit et agit. Avancer pour aider les Pélissanais à s'en sortir, cette phrase peut résumer son action sur le front de l'emploi et de l'économie. Afin de soutenir et de favoriser l'activité de son territoire, Pélissane s'attelle à l'aménagement d'une zone d'activité artisanale dans le quartier du Batolet. En 2012, les études préalables au démarrage des travaux ont été menées. Sur 6 hectares, 30 à 40 parcelles à des prix attractifs seront disponibles pour les entreprises. De nombreuses demandes de diverses sociétés ont déjà été enregistrées. En 2012, une année durant laquelle la ville de Pélissane a été créatrice d'emplois pour ses habitants. Exemple avec Virginie. En début d'année, elle part travailler le soir sur Marseille. C'est alors sa mère, chez qui elle vit, qui garde son fils. En n'ayant pas le permis, j'ai fait des allers-retours en train et travaillant la nuit, bien sûr, Marseille-Pélissane. C'était très, très, très dur pour moi. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver un travail ici et j'ai réussi. Je me suis dit, sur salon, ça sera plus facile pour trouver. Et après, j'ai entendu parler de l'Intermarché, donc j'ai envoyé mon CV et voilà, ça a marché. Là, je travaille la journée, j'ai du temps pour mon fils parce que je suis qu'à 25 heures et ça me va très très bien. Et fin 2012, Virginie trouve un appartement sur Pélissane. Aujourd'hui, je suis complètement pélissanaise. Très très bien.
2012, c'est aussi l'année qui permet au parc Roux de Brignoles de trouver son rythme de croisière et de prouver toute sa pertinence pour offrir un centre-ville toujours plus accessible. Sur Pélissanne, il y a la poste, il y a ici Roux de Brignoles, il y a aussi le parking de la bibliothèque. C'est bien, ça facilite des parkings qui sont quand même gratuits. Et on ne trouve pas ça dans toutes les villes. Nous avons des marchands de fleurs, nous avons trois boulangers, enfin c'est... Il y a du choix, aucun problème, on a tout sur Pélissanne. C'est un village autonome. On n'a pas forcément besoin d'aller dans les grandes villes, tout Pélissanne. Pélissanne a tous les commerces dont les habitants ont besoin. Lorsque je me rends soit à la mairie, soit dans les différents commerces de Pélissanne, j'utilise le rond bleu et puis pendant cet laps de temps, ben je vais faire mes petites courses, je reprends mon véhicule, je rentre chez moi. Je n'ai pas de problème de stationnement. Ça facilite les achats, oui, ça facilite les achats. Ça, je le pense fermement. Pélissanne, via Aglopole Provence, soutient les créateurs repreneurs d'entreprises. Une dizaine de sociétés pélissanaises ont ainsi reçu une aide financière conséquente d'Aglopole Provence Initiative, l'API. C'est le cas de Pascal et Serge, associés dans Villa Bois Provence, une structure spécialisée dans la construction de maisons individuelles en ossature bois. Nous nous sommes rapprochés de l'API, l'Aglopole Provence Initiative, qui, comme toute plateforme d'aide à la création d'entreprises, a cautionné notre projet. L'Aglopole nous conforte dans le projet de création de cette société, puisqu'elle a approuvé à travers la commission technique notre projet. C'est une somme de 5 000 euros qui induit la possibilité pour des financiers de doubler, voire tripler effectivement cette aide que nous avons reçue sous forme de prêt à la création d'entreprises. Donc c'est forcément un levier qui accélérera probablement la mise en place de nos premiers chantiers. Depuis plusieurs années, le marché dominical de Pélissanne a acquis une véritable reconnaissance du grand public, mais aussi des professionnels. Un statut confirmé avec le parasol d'or décerné à la commune par le syndicat des marchés de France. Cette récompense valorise ainsi l'organisation mise en place. L'implication de la commission extra-municipale, comme de la police municipale, des nouveaux placiers, des représentants des syndicats et bien entendu des 135 forains abonnés pour un total de 155 commerçants non sédentaires. Je suis fier d'avoir eu avec l'équipe municipale qui m'entoure un programme d'investissement ambitieux pendant tout le mandat. Grâce à une gestion saine depuis quelques années, je vous annonce qu'en 2013 encore, les impôts locaux n'augmenteront pas. Mesdames et messieurs, chers amis, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite très sincèrement une excellente année 2013 pour vous, pour vos proches et ceux qui vous sont chers. Bonne année à vous tous.